à toutes les personnes qui font croire que les croquettes, il y a vraiment des croquettes parfaites. Parce qu'il n'y a aucune croquette. Je vais te le montrer maintenant devant tes yeux sur un élément crucial que tu dois savoir. La meilleure des alimentations que tu peux faire mais qui coûte très cher, c'est la méthode du barf. Et même la méthode du barf est loin d'être la plus parfaite. Parce qu'il manque encore des choses. On est un animal, on n'a pas un être humain. Donc on fait au mieux. Donc celui ou celle qui va critiquer cette vidéo, trace ta route. Donc sur ce, je vais vous montrer maintenant la preuve. Deux choses que je vais vous expliquer. Suivez-moi bien pour la suite. Il va y avoir un rendez-vous dans une usine très prochainement. J'attends la réponse et l'accord pour m'infiltrer, respectueusement bien sûr, pas en mode FBI, CIA et machin, avec un accord et tout ça, pour montrer ensuite la constitution de la croquette. Il y a une molécule qui est utilisée et toutes les croquettes l'ont. Il y a la température qui change entre de 80 à 120 degrés pendant la période à laquelle la cuisson est faite. Et si c'est pas respecté, bah, ça fait de la chair à pâté et c'est dégueulasse pour le chien. Donc la digestion, zéro. Donc on se retrouve maintenant dans quelques instants pour vous montrer ceci dans plusieurs sacs. Et vous verrez, vous allez beau acheter le sac le plus cher du monde, ça absence totale, c'est ce genre de choses. Vous allez voir. C'est Tico et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne deux choses fondamentaux qu'on ne parle pas suffisamment. C'est l'acrylamide, qui est une substance dont les fabricants de croquettes ont besoin pour travailler la composition de la croquette. Peu importe le prix, c'est quelque chose de la merde. C'est de la merde. Mais ils en ont besoin pour fabriquer. Donc, cela dit, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, parce que bien sûr qu'on ne va pas arrêter de donner l'alimentation, mais quand j'entends dire que toutes les croquettes, les paquets les plus chers sont les mieux, non, parce qu'il y a l'acrylamide. Deuxième chose que je vais vous montrer maintenant dans le magasin, en parfait inconnu et le plus discrètement possible, vous allez voir une deuxième chose. Cette deuxième chose qu'il n'y a dans aucun paquet. Je t'invite à toi à partager cette vidéo et à regarder derrière ton paquet de croquettes qui coûte le plus cher du monde, que ce soit du moins cher ou du plus cher. Sache que derrière le paquet, il n'y a pas marqué une seule chose qui est cruciale pour la santé du chien, qu'on n'a aucune information. Et c'est très simple parce que ça nous concerne l'humain. Sauf que on en a besoin, mais pas trop non plus que ce soit élevé. Alors que eux, vous allez comprendre maintenant dans cette vidéo-là. Donc, c'est parti. Viens avec moi. Là, il y a les vendeurs, n'est-ce pas, les vendeurs, n'est-ce pas. Possible. Donc, même les petits, que ce soit les petits chats, chiens, dinosaures, dromadaires, chameaux. Vous vendez des chameaux dans le magasin? Il y aura-t-il des chameaux, s'il vous plaît? Alors, bon, admettons les fameux canicros, d'accord, que par exemple, donc on a l'habitude de voir, je vous ai déjà organisé une belle vidéo, il n'y a pas un problème, quand vous voyez toutes les compositions de marquées, il manque la case glucides. Glucides n'y est pas, d'accord. Certaines croquettes ont plus de 40% de glucides. Est-ce que les chiens, enfin ce que les animaux mangent? Donc il faudrait en fait supprimer tous les croquettes. Mais c'est pas possible. Donc faites au mieux. C'est la chose que je vais vous donner comme conseil pour parler le mieux possible. C'est faites au mieux. On ne peut pas faire autrement. Aucun autre type de croquette. Vous allez voir, vous regarderez bien que tout est marqué, mais il n'y a pas la case glucide. Et la case glucide, normalement, doit être dans l'obligation de nous le communiquer. Donc, rien n'empêche que vous appelez la marque ou le consommateur pour vous renseigner, Gamme Vert ou Royal Canin ou ce que vous avez envie, pour demander le pourcentage qu'il y a comme glucide. Et pourtant, vous poserez une sacrée colle à la personne concernée. Ce serait plus simple d'y marquer et même dans l'obligation de nous l'informer. Mais malheureusement, aucun magasin le fait. Donc la personne qui me conseille des croquettes qui sont très bonnes, j'avais des croquettes qui étaient super excellentes, il n'y a pas la case de glucides et on ne connaît pas le pourcentage. Donc c'est quelque chose qui peut impacter aussi malheureusement la santé du chien. Du coup maintenant, les Royal Canin.
Donc alors, les royal canins qui sont ici présents. D'accord. Royal Canin, même le Royal Canin, qui est une très très grande marque. La composition. On est OK. Bon, déjà, le paquet fait plus de 100 euros. Merci. La composition qui était là. Voilà, donc juste là, bon, pas en arabe, je ne comprends pas. Donc vous allez voir, il y a toute la composition, protéines, machin, nanana, ok, tac, tac, tac. Sans parler de l'absence du pourcentage des mycotoxines. Ok, le pourcentage de glucides. Le pourcentage de glucides n'est marqué sur aucun paquet. Matière grasse, cendre, nanana, cellulose, blablabla, tous les paquets. Et du coup, en fait, je pourrais vous faire en fait tous les sacs de croquettes. C'est pas le but, parce que je vais. Là je vous fais vraiment les plus grandes marques. Tous, hein. Tous les paquets que vous voyez. Et en fait, du coup, je voulais vraiment faire une vidéo pour t'informer. Faut pas non plus psychoter. Même les grandes marques là qui sont devant mes yeux, machin, là, toutes ces marques-là. Et du coup, on n'a pas cette possibilité de voir l'information. On n'a pas l'information nous concernant. Pour le pourcentage de glucides qui est très important. Donc ces deux choses, je t'invite à te renseigner le plus fortement possible. Moi, je préconise et je suggère, très souvent j'ai quand même l'habitude et je le fais maintenant depuis des années, un jour à jeun. Donc c'était hier. Là, je voulais faire manger aujourd'hui mes chiens. Mais ça permet de tout nettoyer, toutes ces merdes. Parce que même la croquette la meilleure, c'est pas forcément la meilleure parce que on ne connaît pas le pourcentage de glucides. Comment est-ce que le pourcentage qui a été attribué dans la croquette et comment est-ce que la recette a été respectée. Donc, suis-moi de près. J'ai contacté plusieurs usines. Voilà. Et par contre, voilà, ce sera très bien fait. Je vais m'implanter dans une usine où là, je vais montrer exactement tout. Donc là, je prévois vraiment avec des personnes chimistes, des personnes qui sont dedans, qui sont dans le milieu de la composition de la croquette, comment elle se fait, et les termes, car je ne connais pas des termes, je ne peux pas les employer, car je n'ai pas les formules, et je ne connais pas les avantages, les inconvénients, les risques et tout ça, je ne connais pas. Et je ne connais pas aussi ce que le chien est capable de gérer dans l'alimentation, et ce qui lui permet de freiner en fait ce qui est dangereux dans son corps. Nous on le sait, mais malheureusement ben on a besoin des croquettes. La méthode du barf, j'avais réalisé une vidéo, vous l'avez normalement sur la chaîne, vous avez ça. C'est quelque chose de très cher, mais même la méthode du barf, on a besoin encore de d'autres choses. Donc je voulais vraiment te montrer et t'expliquer pour t'informer au maximum possible. Il n'y a pas de... Quand on regarde l'information, nous ne la connaissons pas de la composition de pourcentage du glucide. Évitez bien sûr les croquettes à 15 euros. Vous connaissez, hein, vous connaissez la vidéo. Mais je dirais minimum 30 euros jusqu'à 100 euros, vraiment si vous voulez faire des trucs top la classe. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça. Hein. Je peux continuer, hein, même les premiums, hein, regardez. Hein. Un tac tac tac, et malheureusement c'est un leurre qui manque. On peut considérer qu'il y a un leurre, d'accord, il y a tout, mais il n'y a pas le pourcentage des glucides, zéro glucide, rien du tout, on ne sait pas. Voilà, hein. Donc je t'invite à toi, à elle, à lui de te renseigner, de t'appeler. Je vais poser la question, je sais que je vais perdre mon temps, mais j'essaierai de me renseigner sur le canicro que je prends. Je ne connais pas le... Et ce que j'aime bien aussi, c'est que des fois, quand tu appelles la marque, là en revanche, je suis là, hein, carrément, je ne vais pas perdre mon temps. Si je demande le pourcentage du glucide, on va me dire, bah, je ne la connais pas. Voilà. Alors que soi-disant, vous êtes censé avoir la possibilité d'avoir l'information. Le distributeur, de vous donner l'information, c'est quelque chose de capital. Là j'en passe, hein. Pareil pour les chiots, merci. Hein. Voilà, je voulais vraiment ajouter ce point qui est vraiment essentiel et important. Donc en fait que vous achetez un paquet, si je rentre dans ce raisonnement là, à 10 ou 15 euros jusqu'à 100 euros, on aura la même chose, la même merde en termes de on nous ment.
Donc à quoi bon acheter des croquettes? Mais on a besoin d'acheter des croquettes. Donc faites le tri, essayez de garder les selles le plus possible. Moi c'est ce que je fais tous les jours. Mes chiens vont très bien. Encore hier j'étais chez la véto. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est surprenant que je suis de phase, sachant que maintenant il y en a pour trop qui disent que c'est des alimentations de plus en plus naturelles. Mmh. Et c'est ça qui est fou. Et la plupart disent qu'ils sont de plus en plus transparents. Mais du coup, apparemment, pas du tout. Hein, ça, j'en ai jamais entendu parler. Mais. Non, non, c'est. Bah, c'est comme. C'est pas évident parce que du coup, j'essaie de comprendre un peu le raisonnement. Après, il y a des. Moi, chez moi, ça fait 10 ans, 13 ans que je prends les Canicro. Mm-hmm. Les sacs, ils sont à 30 euros. J'ai jonglé, mais en fait, comme ça, j'ai fait toutes les marques. Mm-hmm. Absolument. Du coup, ben. Je sais pas du tout si vous allez pouvoir entendre, en fait, ce qu'elle a dit. Ben, elle ne connaissait rien du tout et c'était la responsable en fait du magasin et du coup ben en fait elle connaissait pas du tout la molécule qui permet de faire la composition. Voilà, quand on regarde bien il y a un mélange en fait, je crois qu'il est de 80 à 120 degrés tout ça, mais vous allez mieux le voir quand j'aurai réalisé ma vidéo dans l'usine. J'essaierai de la faire en caméra cachée parce que je pense qu'il y a des choses que je n'aurai pas le droit de filmer. C'est pas possible parce que ça, c'est des choses, c'est très secret, tout ça et tout ça. Il y a un droit de réserve qui est immense et du mensonge en plus. Le but, c'est de vraiment vous montrer pour que vous ayez un maximum d'informations pour déjà que vous puissiez plus simplement choisir d'être plus attentif en fait, d'avoir beaucoup plus de côté. Je fais attention à ce que j'achète. Et je sais ce qu'il y a derrière de marqué, parce que tout le monde met protéines, machin, mais personne ne met le pourcentage de glucides. Et c'est très difficile, enfin, il faut avoir la connaissance, c'est pas que c'est très difficile, je pense qu'il faut avoir la connaissance pour connaître le pourcentage de glucides qu'il y a dans nos croquettes. Je ne connais pas la formule exacte pour calculer. Ça m'intéresse. J'ai demandé, ils ne connaissent pas là, ils ne connaissent pas du tout. Et quand j'ai eu ce matin le gars de Royal Canin, il connaissait pas aussi. Il connaissait même pas le gars, tout ce que je lui disais, il connaissait pas. Donc ouais, vraiment, c'est pas des conneries tout ça. Je dis pas ça pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais on est partagé en fait. On a la conscience de ce qu'on donne à nos chiens. Mais sachez qu'on peut pas se dire qu'en fait c'est la meilleure des choses. Et vous allez beau essayer toutes les croquettes du monde, qu'elle soit meilleure, qu'elle soit moins bonne, qu'elle soit moins chère, qu'elle soit peu chère. Quand on regarde, la constitution est la même pour toutes les croquettes. La base de toutes les croquettes est exactement la même. Parce que je ne me rappelle plus le nom là. Je suis en train de parler dans la caméra et je ne me rappelle plus. Du coup voilà, je voulais vraiment vous dire ça. J'avais vraiment envie. Et vous êtes libre en fait. Je ne dis pas qu'il faut acheter non plus des croquettes à 10 euros. Mais peut-être de compenser par moment avec notre bouffe, avec des légumes, un peu s'inspirer peut-être avec la méthode du bar, comme la vidéo que je vous avais faite. Pas tout le temps, de temps en temps, hein, et puis pourquoi pas de respecter peut-être un soir à jeun par semaine, qui permettrait un petit peu de nettoyer, de purifier un petit peu ces espèces de choses qui ne sont pas forcément sains pour l'animal. Et personnellement, pour les personnes qui verront la vidéo, qui sont sponsors, qui ont des marques, qui connaissent, qui m'ont abordé par mail, j'aimerais s'il vous plaît, monsieur les producteurs, que vous réfléchissez sur les glucides, hein, d'approuver peut-être, de le mettre derrière les paquets, de mettre le pourcentage des glucides pour nous permettre d'avoir l'information et de nous mettre au courant tout simplement, de ne pas être juste focus sur protéines, 40%, 50%, il n'y a pas que ça. Je reviendrai sur cette vidéo-là. Je sortirai aussi une vidéo sur les protéines de pourcentage parce que trop de protéines, ça peut éclater les reins de votre chien. S'il ne se dépense pas dans la journée en termes d'activité qui est plus que la protéine qu'il a mangée, qui s'est multipliée ou je sais pas quoi dans la croquette, il y a 55% de protéines dans le paquet, dans la croquette. Si le chien n'a pas couru suffisamment pour supprimer ça, enfin pour utiliser l'énergie qu'il faut, bah c'est pas forcément bien. Donc on va baisser à 25%. Donc c'est des sacs qui coûtent là. Donc c'est très complexe en fait les croquettes. Il n'y a pas que des croquettes
qui sont que bien ou que protéinés ou que ci ou que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Aimez vos animaux, c'est aussi prêter attention dans les choses qui sont comme ça, qui sont un peu perplexes, qui sont un peu compliquées aussi, de se renseigner pour notre conscience. Et bah, tous les jours, moi, je me dis ça, je me dis, bah, je suis désolé en fait, mes chiens, mais il faut les faire bouffer. Donc, on fait au mieux. Voilà, je voulais pas avoir une prétention ou d'être faux cul dans la vidéo, mais je voulais vraiment être le plus naturel pour vous montrer que je ne suis pas parfait. Moi, le premier. Et mon frère, j'ai beaucoup aimé les croquettes qu'il m'a données, mais j'ai vérifié, c'est pas marqué les glucides, et ils utilisent en fait la même composition de base qu'il y a dans tous les croquettes. Parce que ça reste des croquettes. Voilà. Grosse bise à tous, c'était Celtico. Celtico, on se dit à tous pour la prochaine vidéo. Aimez vos animaux et à bientôt. Salut, bye!